Je vous invite à ouvrir la Bible dans deux textes. Mais lisons le tout premier. Romains chapitre 7. À partir du verset 14. Seigneur, nous voulons te confier ce moment et te demander d'en tirer gloire. Merci de répandre la puissance de ton esprit sur nous pour que nous puissions comprendre ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, verset 14 de Romains chapitre 7. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Nous sommes en train de parler du péché au cours de ce mois. Le thème de l'année, c'est le retour aux anciens sentiers. Et aux anciens sentiers, au temps d'autrefois, les doctrines étaient enseignées, les doctrines étaient prêchées, pour que le peuple de Dieu, n'est-ce pas, étant instruit, puisse vivre avec l'aide de Dieu dans la sanctification, dans la pureté. Et sous le thème du péché, la définition a été faite par le pasteur. L'ancien Guillet un soir a prêché sur le péché de l'adultère. Le dimanche dernier, nous avons vu le péché de l'ivrognerie. Nous pourrions, n'est-ce pas, continuer de relever plusieurs tares dans la vie des hommes. Mais il est important de savoir, après avoir dénoncé, relevé, de se poser une question très importante, comment être délivré. Bien avant cela, faisons quelques rappels importants et aussi des ajouts en ce qui concerne, de façon générale, le péché. Le péché, c'est manquer le but. Manquer le but. Eh bien, pour nous, en tant que chrétiens, il y a péché lorsqu'on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu. Le but de Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, notre force et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le but de Dieu, c'est l'amour. Et sinon, nous n'arrivons pas à aimer Dieu comme il se doit, alors il y a péché. Le péché, selon Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 4, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, donc, est en rapport avec le but, mais le péché est également en rapport avec les lois que Dieu, n'est-ce pas, a érigées pour le bien-être de la terre, des hommes. Et les lois que nous avons ne sont d'autres que des explications ou l'explication de la loi de l'amour. Tu ne voleras pas,
tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. C'est le péché. Le péché, selon Jacques, chapitre 4, verset 17, c'est savoir ce qui est bien et de ne pas le faire. Alors là, la définition de Jacques ou sa conception du péché nous éclaire davantage. Le péché, c'est quoi? C'est savoir le bien et ne pas l'accomplir. Connaître le bien et ne pas l'accomplir. Je donne un exemple très simple. Vous êtes dans une cour commune. Votre voisin ou votre voisine est sorti. Elle a ses affaires au soleil, sur le séchoir. Vous, vous n'en avez pas. Ce jour-là, vous n'avez pas fait de lessive. Et vous savez qu'il pleut. Et en allant la fermer sa porte, les affaires sont sous au soleil. Tu sais que tu dois te lever et aller enlever le linge de ta voisine ou de ton voisin. Si tu ne le fais pas, tu commets un péché. Donc le péché est en rapport avec le bien. Tout ce qui est bien sur la terre, c'est-à-dire qui est juste, qui est correct, qui est honnête, comme la Bible dit, que tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est honnête, ainsi de suite, selon Philippiens, de faire le bien, tout ce qui est bon, et si nous ne le commettons pas, eh bien nous commettons un péché. Le péché, c'est quoi encore? Le péché, ce n'est rien d'autre, comme je l'ai dit, c'est ne pas arriver à aimer. C'est la grande question, la grande thématique de la Bible, l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le péché fait partie de ce qu'on appelle les décrets divins. Un décret, c'est une décision prise qui est promulguée et qui doit être mise, n'est-ce pas, en application. Dans le domaine de la divinité, le péché est arrivé à quel moment? Ça nous permet de nous poser des questions sur l'origine du péché. Le péché, nous l'avons connu dans Genèse chapitre 3, où Dieu a dit à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, qui se trouverait dans le jardin d'Éden, au milieu. Et Adam et Ève, eh bien vous le savez, ont mangé. L'acte de désobéissance a été appelé le péché. Mais remontons plus loin. Et si nous voulons le faire en nous posant certaines questions, nous comprendrons qu'en réalité, le péché a été exporté d'un lieu à un autre, c'est-à-dire depuis la résidence de Satan jusque sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, selon l'Écriture, il aurait désobéi à Dieu, il a péché contre Dieu, et son péché, c'est la désobéissance. Il a décidé de se faire Dieu, lui aussi, rechercher l'adoration. Donc le péché a son origine en Satan. Mais remontons encore plus loin. Qui a créé le monde, le ciel et la terre? C'est Dieu. Et la Bible nous dit que rien n'arrive que le Seigneur ne l'ait ordonné. Si donc Satan, qui était un ange parfait, qui servait Dieu et qui était le premier des anges à servir Dieu, à quel moment le dessein de désobéir à Dieu est monté à lui? Avait-il cette capacité de créer le péché? Nous disons non. Mais Dieu l'a permis parce que Dieu a fait l'homme, n'est-ce pas, comme les anges, il nous a donné la raison, il nous a donné également la volonté, la capacité de faire des choix. Dans ce sens donc, nous dirions ceci, que le péché a été décrété par Dieu, c'est-à-dire la possibilité de désobéir à Dieu vient de Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Ça vient de Dieu, mais cela était un test pour montrer notre amour pour lui et non nous pousser forcément au mal. Dans ce sens donc, le péché est fait partie des décrets divins. C'est Dieu qui a décrété le péché. Alors, à l'analyse, nous comprenons que depuis la Genèse jusqu'au dernier être qui va vivre sur la terre, nous sommes un peu comme esclaves, liés, comme il nous a dit, que l'homme, Jean le dit, que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tous sur la terre,
La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un, même pas un qui fasse le bien. Donc, le péché nous tient tous liés et aucun homme ne peut s'en défaire. Paul, dans l'épître aux Galates et même dans Romains, a donné un nom à ce mal. Le péché est un mal. Il a donné un nom. Il l'a appelé la chair. Le péché, donc, c'est la chair. Dans la compréhension de l'apôtre Paul, il y a deux éléments importants à saisir. Il y a ce qu'on appelle le péché et il y a ce qu'on appelle les péchés. Le péché, c'est la disposition, ou bien, oui, la disposition à faire le mal que tout homme a en venant sur la terre. C'est comme une puce, un package que l'homme reçoit en venant sur la terre. C'est comme une boîte noire. Dans cette boîte noire se trouvent tous les péchés du monde. Et Paul l'appelle le péché. C'est comme un canari, c'est comme une boîte, c'est comme une valise, c'est comme un sac que tout homme reçoit en venant au monde. Où il est, on ne le sait. Paul nous dit qu'il se trouve dans le corps de l'homme. Donc, il a été intégré. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, eh bien, tous les descendants d'Adam et Ève reçoivent cette valise en venant au monde que l'apôtre Paul appelle le péché, mais également appelle la chair. Amen. Maintenant, Galates chapitre 5, quand Paul relève les différents péchés, quand il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » et il les cite. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul, maintenant, énumère le contenu du paquet qu'est la chair et chaque élément qu'il fait sortir est appelé le péché. Donc, les péchés sortent du grand paquet péché qu'on appelle chair, selon la théologie paulienne, selon la théologie de Paul. Dans ce sens, donc, aucun être humain n'est exempt du péché, du plus petit au plus grand. Du pauvre au riche, tous nous sommes pécheurs. C'est pour cela que Jésus a dit, lorsque la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, il a dit ceci, si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette le premier de la pierre. Il n'a pas dit si quelqu'un n'a jamais commis l'adultère, parce que ce serait possible, qu'on en trouve. Mais pour Dieu, le péché mène à la mort. Et tous les péchés sont identiques parce que la conséquence, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que dire encore? Si nous nous focalisons sur la théologie de Jean, nous dirons que le péché peut être résumé en trois éléments. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire que tous les petits péchés, vous pouvez les prendre et si vous arrivez à les analyser, vous verrez qu'un péché, chaque péché rentre dans un des paquets. Soit c'est la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, c'est la boisson. Aimer bien manger comme Ésaü. Aimer voyager, le plaisir. Ça, c'est la convoitise de la chair. Et il y a des humains ici-bas sur la terre qui sont, leur péché, leur penchant, c'est à ce niveau. D'autres encore, vous ne les verrez pas en train de boire, en train de faire des orgies et autres. Mais c'est la convoitise des yeux, c'est-à-dire tout ce qui est beau. Ils ne vont pas s'en priver, ils vont tout voir à la télévision, tout ce qui vient, ils achètent, ils ont tout. Ceux-là, ils ont un penchant pour, n'est-ce pas, la convoitise des yeux. Le dernier paquet selon Jean, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. C'est-à-dire, on peut avoir un grand diplôme tout simplement pour faire
ressorti la poitrine. On donnera de quel pays on vient pour bomber la poitrine. À l'époque, dans la sous-région et même ailleurs, quand vous êtes ivoirien, même si vous êtes un balayeur, on vous respecte. Parce que vous venez du pays de Oufoué, Boigny. L'orgueil de la vie. Et même les sous-groupes ethniques. Vous prenez le sous-groupe Baoulé ou bien Bété. Il y a des divisions et il y en a qui se bombent la poitrine. Parce que nous, Bété de cette région-là, le chef de Bété, là, nous, on vient de chez lui. Et on bombe la poitrine. C'est l'orgueil de la vie. Selon Jean, tous les péchés du monde se retrouvent dans ces trois rayons. Évidemment, en tant qu'humains, nous faisons la combinaison des trois. Et vous comprendrez, ou bien vous comprenez que personne ne peut dire « je suis juste ». Parce que quand vous écoutez les gens converser, si c'est l'orgueil de la vie, vous allez voir jusqu'au milieu, soit au début, au milieu de la conversation ou à la fin, vous verrez une note qui le glorifie, qui glorifie son travail, qui élève ses enfants, qui élève sa femme, qui élève son mari, qui élève sa piété. Comme le pharisien qui dit, je rends grâce à Dieu de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Le reste, je paye ma dîme. Je jeûne trois fois par semaine. Et ce qu'il disait, il le faisait. Mais qu'est-ce qui était derrière? C'était l'orgueil de la vie. Dans ce sens, donc, nous sommes tous pécheurs. Le texte que j'ai lu est l'expérience de l'apôtre Paul, juif, hébreu né d'hébreu, comme lui-même le dit dans son témoignage, pharisien. Il allait de lieu en lieu pour faire mettre les chrétiens en prison. Quand lorsque dans Actes des Apôtres, chapitre 9, il fait la rencontre du Seigneur et Paul se convertit. Après sa conversion, il va faire des expériences. Paul, c'était l'individu qui allait à fond dans tout ce qu'il faisait. C'était un érudit. Dans les écrits, surtout le chapitre 7 et 8, le 8 que nous n'avons pas pu lire, Paul donne le témoignage qui est le témoignage de tout homme. On arrive à déceler le péché quand une loi se présente. Aussi longtemps que vous vivrez dans un environnement où il n'y a pas de loi, vous n'êtes pas un pécheur. Mais dès lors qu'une loi sort et que vous découvrez ce que vous faites, en ce moment bien précis, vous réalisez si vous êtes dans le péché ou pas. Et Paul dit qu'il a connu le péché par la loi. Avant que la loi ne vienne, il n'y avait pas de péché, lui, dans son esprit. Bref, c'est un peu lié à l'ancien système. Il faut du temps pour l'expliquer. Mais l'expérience de Paul est la suivante. Il a compris qu'après sa conversion, il est au milieu, il est entre l'enclume et le marteau. Il est dans une posture difficile. Et ça, c'est la posture des convertis. Quand quelqu'un naît de nouveau, il est converti. Il désire, à un moment, il désire faire le bien. Il prend des résolutions. Il pleure sur son péché. Il décide de changer. Il décide de ne plus voler. Il décide de ne plus faire ceci ou cela. Les premières heures, ça marche. Les premières semaines, ça marche. Mais après, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, on relâche. On abandonne. Et puis après, on se rend compte que la chose que nous avons abandonnée nous tire. Pour certains, ils diront, je ne suis pas converti. Je ne suis pas né de nouveau. J'ai besoin encore de Dieu. C'est ce qui explique les multiples repentances ou les multiples nouvelles décisions de se convertir à nouveau pour se donner à Dieu. Pour certains, pas pour tous. Pour certains qui sont vraiment convertis. Mais qui n'arrive pas à donner une explication à l'expérience par laquelle il passe. Paul nous dit ici que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire.
Mais je me rends compte que dans mon entendement, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, sans que je ne le sache, moi je suis au milieu et il y a deux lois. Il y a la loi qui dit qu'il faut faire le bien. Et il y a l'autre loi qui me dit qu'il faut faire le mal. Et moi je suis au milieu. Il a donné un principe très intéressant qui pourrait être étudié dans d'autres contextes. Quand il dit ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, parlant de la chair, on pourrait l'analyser un peu plus profondément en une autre occasion. Mais ce que je veux relever ici, il utilise l'expression, il dit « misérable que je suis, qui me délivrera ?» Il y a un problème là qui se présente à nous. Quand on est né de nouveau, on se convertit, on lance l'appel. Quelqu'un se donne à Dieu, on parle là de délivrance et de libération, c'est vrai. Mais au fur et à mesure qu'on marche avec le Seigneur, on réalise de nouveau qu'en fait, est-ce que la libération que j'ai reçue au début de ma conversion, est-ce qu'elle est vraiment réelle? Est-ce que je suis vraiment converti? Je suis vraiment né de nouveau? Pourquoi? Parce que je me rends compte que j'ai pu lutter pendant un temps, mais je n'arrive plus. Et le péché qui habite en moi a la tendance à prendre le dessus. Le mensonge, les critiques, les mauvaises pensées, les rumeurs, tout ce que je faisais de nouveau, j'ai l'impression que ces choses semblent me rattraper. Et donc on devient misérable, comme l'apôtre Paul. La question donc importante qu'il nous faut nous poser, que Paul s'est posée et qui nous donne aujourd'hui, n'est-ce pas, la solution à son problème, qui est aussi le nôtre, c'est dans la conversion. Il y a deux types. Il y a ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils ont besoin de se convertir. Mais quand quelqu'un est chrétien, il est né de nouveau et qu'il sent ce dualisme en lui, qu'il sent le bien et le mal s'opposer en lui et qu'il le rend misérable, triste, que faire? Que faire? Et là, le pasteur, l'ancien, le diacre, la diaconesse, le responsable de quartier, de cellules, de femmes, de jeunesse, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, de la France et de tous les pays au monde sont confrontés à cette réalité universelle et intemporelle qu'est le péché. Nous avons tous besoin de la délivrance. Alléluia. Paul donc il s'est posé cette question. Peut-être que vous avez vécu cette expérience et moi je l'ai vécu. Et après avoir lu les textes de l'apôtre Paul, on comprend comment demeurer vainqueur sur le péché éternellement, étant sur la terre. Comment demeurer vainqueur? Mais relevons un autre élément dont j'en ai fait mention dans une de mes prédications. La Bible se divise en trois. On peut diviser la Bible en trois parties. La première partie part de Genèse 1 et 2, qui nous montre le plan parfait de Dieu sans le péché. Et de Genèse chapitre 3, verset 15 jusqu'à Apocalypse 20, nous voyons ce que certains théologiens appellent la grande parenthèse où il y a tous les péchés, les maux, les difficultés des hommes sur la terre. Et Apocalypse chapitre 21 et 22, où c'est un peu comme une reconstruction de ce que l'homme a perdu à partir de Genèse chapitre 3. Du coup, retenons ceci, que dans la grande parenthèse, il n'y a pas de liberté. Dans la grande parenthèse, c'est un endroit de lutte et de combat. Dans la grande parenthèse, c'est un endroit où on pleure, où on se bat pour se maintenir. Nous sommes dans cette parenthèse, quand bien même que nous soyons chrétiens. Une autre nouvelle intéressante qu'il nous faut saisir, c'est que Dieu veut que, étant dans cette parenthèse, nous ne soyons pas esclaves de quoi que ce soit. L'homme doit être esclave de Dieu, et non du péché, et non de son prochain. Voici là une grande vérité pour le chrétien. Quand bien même que la terre actuellement soit dans la phase de la parenthèse de Genèse 3, verset 15 à Apocalypse chapitre 20, où il y a des luttes, où il y a des difficultés, où il y a des épreuves, la Bible nous dit aussi que dans cette parenthèse, il y a possibilité d'être libre et d'être vainqueur. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a vécu dans la parenthèse. Il est venu dans un monde en difficulté. Mais Jésus
n'a pas été détruit et phagocyté par la puissance du péché. Au contraire, il l'a dominé. Et Jésus est notre exemple suprême. Nous pouvons donc être vainqueurs sur la puissance et l'autorité du péché. Amen. Je voudrais donc donner une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin pour lui dire qu'il doit et il peut. Tu es chrétien, quelle que soit la difficulté liée au péché, ce qui te domine tant que tu as du mal à expliquer, tu as honte même pour en parler, certainement à ton intime, à ton épouse, à ton époux, à ton ami, à ton confident. Seul Dieu le sait, tu as du mal à expliquer. Ce jour, je veux te dire qu'il est possible de vivre dans la parenthèse, mais d'être vainqueur et sur le diable, sur le monde et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Comment donc être demeuré vainqueur sur la puissance du péché? La Bible nous présente plusieurs éléments. Ce jour, j'ai énuméré 4 éléments que nous pouvons utiliser pour demeurer vainqueur sur le péché, quelle que soit la nature du péché. Que ce soit le vol, que ce soit l'adultère, que ce soit le mensonge, que ce soit l'orgueil, quel que soit le péché, Dieu nous donne de savoir comment le traiter. Premier élément, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Dans 1 Jean, au chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 7. Verset 5, il est dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Gloire à Dieu. Ces éléments que j'énumère maintenant n'appartiennent pas au monde. Quand je parle du monde, je parle de tous ceux qui vivent dans le système, dans le train de ce monde. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas Jésus pour maître et pour sauveur. Ce que j'énumère est pour les chrétiens nés de nouveau, qui sont en partance pour la patrie céleste, qui sont des pèlerins, qui sont des voyageurs ici-bas sur la terre et qui luttent, qui pleurent. C'est pour cela que j'énumère ces éléments. Jean nous dit, que pour nous chrétiens, la voie, d'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas Dieu ne porteront pas l'accent sur le péché. Ils ne connaissent pas le péché, puisque la plupart de ceux qui ne connaissent pas Dieu relèvent la cause principale de leurs difficultés, ils relèvent la cause principale à autrui. C'est le grand-père, c'est la grand-mère, c'est le chef d'entreprise, c'est celui-là qui a fait ceci, cela, pour que je me retrouve dans cette situation. Mais quand on est de nouveau, c'est vrai que les autres peuvent être des éléments qui peuvent nuire à notre vie, mais en réalité, c'est parce que nous sommes pécheurs nous-mêmes que nous souffrons. Ici donc, le premier élément, c'est le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, pour traiter le mal, l'injustice, pour traiter la désobéissance, quel que soit le péché, Dieu a décrété le sang. C'est par le sang que le mal est éradiqué devant Dieu. Les psychologues peuvent faire leur travail, c'est vrai, mais c'est par le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'était par le sang des boucs et des taureaux, comme en Hébreux, au chapitre 9, le verset 12, nous le dit. Il nous a dit ici, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté
de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il la conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. C'est ce que Dieu déclare. C'est ce que Dieu a arrêté. Justement, face au péché, et pour en être purifié, nous ne mettons pas notre confiance dans « Seigneur, je te promets demain de changer, je te promets demain de faire ceci ou cela. » Mais, première œuvre que Dieu veut faire, c'est de nous laver, de nous purifier. C'est une action, je dirais, instantanée. C'est une œuvre réelle, sous nos yeux, que Dieu accomplit. Et il le fait par le sang de Jésus. Amen. Ce que tu as à faire, ce que nous avons à faire, chers frères et sœurs, c'est de mettre notre confiance, non pas dans notre méthode, c'est cela la foi. La foi, l'homme se libère de ses méthodes, l'homme se libère de ses procédés, de ses actions qu'il peut mener, et il met sa foi dans la méthode et dans la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as échoué hier comme Pierre. Nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur la déclaration de ta parole, nous jetons le filet. Mes amis, chers frères et sœurs, Dieu a donné le sang de Jésus comme un élément pour traiter le péché, pour purifier l'homme du péché. Ce jour donc, je ne sais pas ce que tu as fait avant de venir aujourd'hui dans la maison de Dieu, mais je veux te dire, si tu fais comme ceux de l'Ancien Testament, qui ayant péché contre Dieu, et sur instruction de Moïse, ont levé les regards pour voir le serpent des reins dressé, et ceux qui avaient été mordus par les serpents ont été libérés, qui n'étaient pas encore morts bien sûr, si ce jour, tu mets ta confiance dans le sang de Jésus, en ce moment bien précis, quel que soit le crime que tu as commis, Dieu promet, si tu confesses, de te purifier de toute iniquité. Amen. C'est là la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu fait pour nous libérer. Et la Bible nous dit, au verset 15 de Hébreux 9, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue par le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Jésus est notre médiateur et notre substitut. Son sang nous purifie de toute iniquité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu l'acceptes? La foi, c'est cela. Accepter ce que Dieu dit. La foi, c'est accepter ce que Dieu déclare. Et tu dois déclarer sur ta vie que tu es purifié parce que tu mets ta confiance en Jésus et dans son sang. Je vous ai donné une illustration ici une fois au cours de mes prêches. Je vais relever cela pour, n'est-ce pas, expliquer davantage ce que je suis en train de dire. Un jour, dans un bus, dans ce bus qui était bondé, il y avait toutes sortes de personnes. Et les contrôleurs sont rentrés. C'était un 13. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont pris les bus, c'est vrai que grâce au Seigneur et grâce à son serviteur, je ne prends plus les bus. Mais à l'époque, quand vous reveniez de l'école et que vous devez vous engouffrer dans le bus, et surtout si vous devez quitter à Djamé pour aller jusqu'à Koumassi, que vous devez prendre le 13, c'est là que vous réalisez la réalité du 13 et des bus en Côte d'Ivoire à l'époque. Alors dans ce bus, il y avait autant de personnes qui se sont agrippées pour avoir une stabilité dans le bus. Et un monsieur avec des lunettes noires, dont le regard était dans le plafond du bus. Et si vous voyez ses biceps et ses triceps, vous comprendrez, ou bien vous comprenez, avec à qui nous avons affaire. Il était suspendu. Et monsieur le contrôleur, comme l'ancien l'a dit tout à l'heure, ressemblerait à un Zachée. Petit détail. Et il demande le ticket à ceux qui ont la même corpulence que lui. Et il tourne. Et il y a un jeune homme, lui qui n'avait pas payé le ticket. Et il tremblait. Mais il a été un fin observateur.
Quand le contrôleur est venu, il n'a pas dérangé cet homme qui était logé dans le plafond du bus. Parce que il y a des hommes qu'il ne faut pas toucher sur la terre. Il y a des questions qu'il ne faut pas se poser en des moments bien précis. Donc il a contourné. Et il allait vers ceux qui pensaient pouvoir avoir autorité. Et il va sur ce jeune homme, il lui dit, monsieur, votre ticket. Le gars dit, mon ticket se trouve avec mon grand frère. Si tu veux voir mon ticket, interroge mon grand frère. Or, il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais comme il a été sage, parce que la sagesse, c'est la manière d'esquisser le mal et de se maintenir en bonne santé et en vie. Ça aussi, c'est de la sagesse. Mes amis, quand le diable se présente et quand les accusations viennent, notre ticket se trouve avec Jésus, dans son sang merveilleux, et il a versé ce sang-là pour notre libération. Ce jour donc, la bonne nouvelle que nous prêchons et qui nous donne la force, nous ne prêchons pas les méthodes humaines, mais nous prêchons la méthode de Dieu. Nous prêchons la volonté de Dieu. Et Dieu dit, quiconque met sa confiance dans le sang et qui confesse son péché, qu'il le voit ou non, immédiatement devant Dieu, il est déclaré pur. Est-ce que tu le crois? Le premier élément que Dieu donne donc pour traiter le péché, c'est le sang de Jésus. Deuxième élément, c'est la croix. La croix. La croix était un mode de condamnation des criminels de l'époque. Au temps de Jésus, la croix servait à condamner, c'est-à-dire que ceux qui viennent, qui prennent un poulet, qui prennent 100 francs, 200, ça c'est autre chose, il y a une façon de les traiter. Mais les grands criminels de l'époque, il y avait des méthodes pour les traiter. C'est pour vous dire que l'homme n'arrive pas à gérer le péché. Au point où quand le péché se loge et s'identifie à un individu, pour que la société vive, il est bon d'éliminer cet individu. Et cela depuis la nuit des temps. Aux États-Unis, c'est la chaise électrique. Si on vous sort et que vous avez été condamné et qu'on se rend compte que vous, là, on ne peut plus rien faire pour vous, humainement parlant. Parce que le péché et vous formez qu'un. On ne peut pas vous délivrer. La prison ne peut rien faire pour vous. Alors, après avoir analysé votre dossier, vous passez à la chaise électrique. Et puis, dans d'autres occasions, dans d'autres lieux, on vous pique et puis vous mourrez. Je crois que Saddam Hussein, je crois qu'il avait été pendu. C'est cela? Donc, ça dépend des pays. Mais pour dire que le péché fait tellement ravage que quand le péché est dans quelqu'un, on utilise la méthode la plus forte pour l'éradiquer. Et si le péché a pris forme, a pris corps en quelqu'un, qu'on ne peut plus rien faire, c'est d'agir sur l'individu pour que le peuple vive. Donc au temps de Jésus, il y avait d'autres méthodes, mais une, la plus grosse, c'était la croix. Et à Jérusalem précisément, c'était ce lieu en forme de crâne. Mais c'est extraordinaire. C'est une ville dans laquelle quand vous arrivez, vous sentez que vous pouvez aller dans tous les pays au monde. Mais si vous arrivez à Jérusalem, vous sentez des frissons. Vous sentez des choses que vous n'avez jamais ressenties. Et quand vous arrivez au lieu en forme de crâne, c'est écrit dans le texte, lieu en forme de crâne. Et c'est extraordinaire. Quand vous arrivez au lieu où Jésus a été crucifié, vous voyez, c'est une grotte, une grande, un granit au-dessus. On crucifiait les gens et après leur mort, ils tombaient dans la vallée. Mais cet endroit-là, vous voyez un nez, vous voyez des yeux, vous voyez une bouche. C'est extraordinaire. Il semblerait que les gens allaient pour creuser, prendre des pierres à l'époque. Mais en le faisant, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de former un endroit en forme de crâne. Et c'est là-bas, ce jour-là, pour traiter le péché de l'humanité, Dieu va utiliser la méthode la plus forte, la croix. Et la croix, il fallait que Jésus, ayant pris nos péchés, meurt à la croix et il est mort, il est ressuscité. Mais quelle doit être la signification pour nous
Jésus, en mourant, a traité le problème du péché par la croix. Mais la croix demeure de façon éternelle la méthode que Dieu utilise, que l'homme doit utiliser pour traiter le péché. Alors, suivez-moi bien. Le sang purifie. On est d'accord? C'est-à-dire le sang, c'est comme de l'eau. Il lave, il nettoie, il enlève. Que fait la croix? La croix traite le caractère. La croix traite le caractère de l'homme. Jésus dit dans Luc chapitre 9, le verset 23, que nous lisons, un texte très important. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit que lui, il a porté la croix et il a mis à la disposition des hommes la réserve nécessaire pour traiter le péché. Maintenant, pour que l'homme puisse jouir de la liberté, d'une vie merveilleuse, l'homme doit faire usage à son tour de la croix. La croix, donc, est le deuxième moyen pour agir sur l'homme. Mais quelle est la différence entre la croix et le sang? Le sang purifie et la croix agit sur la cause, sur, n'est-ce pas, le caractère, la personnalité de l'individu. La croix, c'est quoi? La croix, c'est le renoncement. Alléluia. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Et qu'il souffre. La croix, c'est la souffrance. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas être libre du péché, demeurer vainqueur sur la puissance du péché, s'il refuse de souffrir. Ce n'est pas possible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Le premier, Seigneur, je te demande pardon, je n'ai pas pu renoncer pour souffrir. Je suis tombé dedans. Je te demande pardon. Le sang fait son travail. On est d'accord? C'est quand l'acte a été commis. L'acte a été commis. Quand le péché a fait son effet. Quand tu as succombé, tu peux faire recours au sang pour te purifier. On est d'accord? Mais le deuxième élément, c'est pour prévenir. C'est pour ne pas tomber dans le péché. Et pour ne pas que le péché ait raison de toi, la méthode la plus forte que Dieu utilise s'appelle la croix. Et la croix veut dire souffrance. Donc, tu ne peux pas être libre du péché, ma soeur. Tu ne peux pas être libre du péché, mon frère, si tu ne comprends pas que chrétien veut dire souffrance. Paul dit, si quelqu'un veut vivre pieusement, il sera persécuté. Si tu veux lutter contre le mal, il faut te juger toi-même. Il faut prendre position contre toi-même. Il faut renoncer. Le renoncement est l'élément capital difficile. Et quand tu as renoncé, alors il faut t'attendre à la souffrance. On est d'accord? Traiter le péché, c'est souffrir. Traiter le péché, c'est accepter qu'on dise toutes sortes de choses sur ton compte. Mais si tu le fais pour la gloire de Dieu, comme Pierre le dit, si vous souffrez, non pas parce que vous avez fait du mal à quelqu'un, mais si vous souffrez pour la cause de l'évangile, réjouissez-vous parce que l'esprit de gloire se repose sur vous. Veux-tu avoir le pouvoir sur le péché? La croix, il n'y a pas de séparation. La prise de la croix n'est pas une alternative, c'est une obligation. Et elle se présente, elle se dresse sur notre chemin à tout moment.
Et le Seigneur invite toujours le chrétien à prendre le chemin de la croix. Et vous verrez que ceux qui prennent le chemin de la croix, l'esprit de gloire, de puissance, d'autorité et le fruit de l'esprit se reposent sur leur vie. Mais dans leur environnement immédiat, quand on les observe, on sent une misère. Elle peut être matérielle, elle peut être sociale, elle peut être économique, elle peut être même d'ordre professionnel. Mais l'intérieur de ceux qui ont porté la croix et qui ne s'en plaignent pas, il y a un bonheur indescriptible, une grande joie qui pénètre leur âme que Dieu déverse dans leur esprit. On refuse de souffrir pour avoir la joie, mais souvent nous ne l'avons pas. Le chemin qui mène à la joie, et une joie réelle et vraie, c'est la joie qui vient de la croix. Quand Étienne, après avoir prêché aux Juifs, a été lapidé pour ce qu'il disait et qui incriminait les chefs religieux, on lui a jeté des pierres, on l'a lapidé. Et la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et il a vu le Christ debout de son trône pour accueillir son esprit. Et pendant que les gens le lapidaient, il n'a pas cherché à se cacher. Il s'est livré parce qu'un autre esprit était sur lui en ce moment bien précis. Et certainement que les cailloux faisaient effet, mais lui, Étienne, son esprit n'était plus en contact avec le monde. Il avait une grande joie et une grande paix qu'il ressentait pour s'être livré, n'est-ce pas, à la mort. C'est là que nous échouons. Je mets l'accent sur cet élément parce qu'aujourd'hui, nous les évangéliques, nous ne comprenons pas toujours bien le chemin de Dieu pour avoir la victoire sur la puissance du péché, du mal et des ténèbres. Il y a des lois dans la Bible. Nous rejetons tout sur les autres. Ah oui, l'Africain et l'homme en général, mais l'Africain en particulier. Quand l'homme ne sait pas expliquer, surtout l'Africain, quand il n'arrive pas à expliquer un élément, un phénomène d'ordre scientifique, il met tout sur la sorcellerie. Comme il ne comprend pas, la chose la plus simple pour lui, là, c'est la sorcellerie. Malheureusement, certains prophètes de notre époque, qui ne poussent pas très loin leur connaissance de l'écriture, mettent tout sur la sorcellerie. C'est-à-dire, ils prennent des raccourcis. Et même des intellectuels qui sont allés très loin, entre guillemets, dans les études, tombe bas dans les analyses, je dirais, les béabas qu'on trouve dans le domaine religieux. On met tout sur les sorciers, on met tout sur les démons. On oublie que la nature charnelle qui est en nous, là, a besoin d'être traitée. Et il n'y a pas deux chemins. Le seul chemin, là, c'est la croix. Il n'y en a pas deux, mes frères. Si tu es tombé dedans, le sang fait son œuvre. Mais quand tu t'es relevé, là, on fait quoi? Il faut le traiter. Si toujours tu dis oui à ce qu'on te dit, si toujours toi tu dis non alors que Dieu dit oui, il faut que tu t'arrêtes pour faire le choix de la croix. Sans croix, pas de liberté. Aujourd'hui, là, ils ne sont pas d'accord avec moi. Je suis désolé, mais c'est ce que Dieu me dit de nous dire ce matin si nous voulons traiter le péché. La croix, n'est-ce pas, est le renoncement quotidien à participer au mal contre Dieu et son plan. C'est l'engagement de la volonté de l'homme à faire le choix d'être pour Dieu et ses intérêts. Voici la croix. Donc, ça ne sert à rien de prendre des grandes croix. La Pâque arrive, hein. La Pâque arrive, vous allez voir. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça rappelle la mort de Jésus. Ce n'est pas mauvais en soi de traîner une croix. Et puis si les enfants demandent, mais papa, maman, c'est quoi? On dit non. Un jour, Jésus est venu. Qui est Jésus? Il est le sauveur du monde. Donc, il est mort sur une croix. C'est bien pour expliquer quand les gens sont en train de passer à la télévision, vous êtes dans votre quartier, et puis ils chantent des chants qui nous ramènent à la bassesse de l'homme et comment Dieu l'a délivré. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on a fini ça, mes frères, on est face à la copie qu'il faut corriger. Traiter la nature et la personnalité de l'homme. Donc tu dois dire, Seigneur, aide-moi à porter ma croix. Amen. Troisième élément, et donc porter la croix, c'est dénoncer, c'est confesser, c'est se repentir, c'est décider, c'est-à-dire c'est d'engager ma volonté, comme Jésus l'a fait.
Regardez comment Jésus a fait au jardin de Gethsémané. Quand il a prié, il avait la possibilité de dire non. Il a utilisé la croix et il a dit, si je devais prendre la souffrance, je la refuserais. Mais si tu veux que je la fasse, je prends la croix, alors aide-moi. Et Dieu l'a aidé. Là, c'est dans le cadre de la prière. Mais je veux dire, même à la tentation dans Matthieu chapitre 4, Jésus a utilisé la croix et pourtant il avait faim. On utilise la croix quand le besoin est là, mais la piste ou la voie pour résoudre notre problème là est en dehors de Dieu. C'est là qu'il y a problème. Et si tu utilises la méthode de Dieu, même si ça doit attendre, même si ça doit attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 1000 ans, pour que la solution soit trouvée, c'est là la croix. Parce que tu souffles là, on est d'accord? Or, Jésus dit, le diable dit, voici Pierre. Tu dis un mot, le caillou là, ça devient pain, tu manges. Où est ton problème? Et c'est vrai, ça pouvait se faire. Jésus allait manger, il allait être rassasié. C'est vrai. Mais il aurait manqué le but. Il aurait choisi un raccourci. Il n'aurait pas utilisé la croix. Je veux dire, en fait, le chemin de la croix, là, c'est le chemin de la patience. C'est-à-dire que si tu acceptes de passer par le chemin de la croix, il faut te dire que mon problème, là, je confie à Dieu. C'est l'heure que lui va décider, là. C'est là que ça va se faire. Dans mariage, dans travail, dans tout. Ça veut dire que j'attends l'heure de Dieu. C'est ça, la croix. Ça veut dire que quand tu dis que tu utilises la croix, ça veut dire que tu confies ton affaire entre les mains de Dieu. Et pendant ce temps que tu confies entre les mains de Dieu, ta souffrance, là, tu la portes à Dieu pour dire, aide-moi à souffrir, aide-moi. Je vais prendre un exemple simple. On n'est pas des hommes, on n'est pas des dieux. On peut se tromper. Et même Dieu peut permettre des associations sur la terre qui peuvent nous faire souffrir. Jésus n'était-il pas Dieu? Quand il a admis Judas Iscariote, qu'il savait qu'il allait le vendre dans son conseil secret, et lui confier même la bourse, c'est-à-dire toute l'économie dont Jésus avait besoin, lui et ses disciples pour vivre. Jésus ne le savait-il pas? Jésus l'a fait. Judas était avec lui. Je vais nous dire ceci ce matin. Il peut y arriver que même dans le domaine du mariage et dans d'autres, on puisse se tromper. On peut se tromper. Dans d'autres circonstances, Dieu peut permettre des associations pour éprouver notre amour. Parce qu'au beau milieu, il y a un des conjoints qui peut disjoncter. Et quand il a disjoncté, quand le fusible a pété, et qu'il y a un qui dit, je prends mes bagages, je m'en vais, ou bien ceci, cela, c'est en ce moment bien précis que la croix se présente sur le chemin de celui qui est le plus spirituel. Et là, en ce moment bien précis, quand il prend la croix, là, c'est quoi? C'est-à-dire, il ne sait pas quand Dieu va résoudre le problème. On est d'accord? C'est ça la croix. Quand il ne sait pas quand Dieu va résoudre. Ton mari est parti. Il y a des cas. Ce n'est pas ici à Niango seulement, ailleurs. Chrétien ou non chrétien. C'est légion. Et vous verrez que tous ceux qui fuient, c'est parce qu'ils refusent la croix. Ils refusent la croix. Hein? Ceux qui prennent leur bagage, qui prennent tout, dans toute situation. Quand vous allez poser, il y a une seule question. Quand ça s'est présenté à toi, quand la situation est arrivée là, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Maintenant, ce que Dieu t'a dit là, est-ce que tu es prêt à faire ou tu ne veux pas faire? Tout ce que nous vivons sur la terre tourne autour de la croix. Et donc, dans ce domaine-là, il y a un qui prend ses bagages parce que quand la croix se présente là, il ne veut pas souffrir. Puisque quand tu prends la croix là, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Dieu peut te laisser dedans. Dieu peut résoudre un matin, Dieu peut ne rien faire. Enfin, je ne sais pas si vous vivez ça, hein, mais lisez dans la Bible. C'est pour cela que le papa de Jean-Baptiste, là, comment il s'appelle? Zacharie. Quand Dieu lui a dit, tu as fait un enfant, il dit, mais toi tu racontes quoi? Le gars, le vieux, là, avec barbe, on l'attrape pour aller faire sacrifice. Et puis, on dit non. Le gars, on dit, il n'a plus de souvenirs. Il n'a plus d'avenir. Il n'a que des souvenirs. Il s'attend simplement à entrer un jour dans la gloire.
Il a reçu Jésus, il va mourir, le vieux Siméon. C'est Zacharie, non? C'est Zacharie. Non, mais je vais prendre le cas de Siméon. C'est Siméon qui a douté, non? C'est Zacharie. Merci, pasteur. Donc, dans une situation comme ça, un homme spirituel, vous savez, il y a des situations, tu es spirituel ou quoi, tu vas te poser des questions. Il dit, mais là où je suis arrivé, là, bougie là, marche plus. Bougie marche plus. Comme groupe électrogène, la dernière fois, on a eu des problèmes, ils sont venus arranger. Mais pour moi, on ne peut plus arranger. On fait comment? Mais question qu'il posait là, ce n'est pas question pour trouver la solution. Hein? Parce que ces mêmes questions-là, Marie a posé les mêmes questions. Jésus, l'ange lui a donné des réponses. Mais lui, les questions qu'il pose là, c'est pour dire, il faut arrêter de raconter des histoires, ça ne peut pas se passer. Donc il y a des situations, quand Dieu veut faire là, il a le choix. Soit il ferme ta bouche, tu ne peux plus parler, tu deviens bobo. Le gars sort, il sort du temple là. Vieux. Vieux, qu'est-ce qu'il y a? Les gens disent, vieux là, il a eu vision. Ce qu'il va venir raconter là, ça risque de perturber le plan de Dieu. Ça risque de perturber le plan de Dieu. Là, il va venir dire, il dit que moi j'ai fait enfant. Il va dire à la femme là aussi, ah, femme, elle est prévisible. Femme est imprévisible. Ce qu'on peut résoudre en une minute, il faut donner 13 heures à la femme pour résoudre ce problème. Donc on ne sait jamais ce que Élisabeth va dire. Donc pour empêcher qu'Élisabeth ne contribue à détruire certainement le plan de Dieu, viens, tais-toi, va à la maison. Quand tu vas aller là, la machine là va s'allumer. Il est parti, c'est allumé. Ça, ce sont des cas dans la Bible. Ce n'est pas évident que ça se passe comme ça pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Ce que je suis en train de vous dire, je vais dire qu'on peut prier, on peut lier les esprits de temps, on peut lier esprits de sorcellerie, comment dirais-je, liens ancestraux, on peut les détruire. C'est quand Dieu veut là, c'est ça qu'il fait. Il peut faire, il peut ne pas faire. Mais quand il n'a pas fait là, alors la croix doit toujours être dressée. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est tout. Je vous donne une dernière illustration à ce niveau. L'ami de notre pasteur, le pasteur Ézéchiel, un homme dont, qui avait l'enseignement dans sa bouche, il a servi Dieu, il a prêché l'évangile. Sous son ministère, Dieu a fait des choses. Il n'a pas eu enfant. Au soir de sa vie, il est mort du cancer, serviteur de Dieu. On l'a enterré il n'y a pas longtemps. Et pourtant, un ministère fructueux. Je suis en train de vous dire, sortez de ce que les gens vous disent au dehors. Parce que si vous ne comprenez pas le principe de la croix, vous allez mettre votre confiance dans des prophètes et leurs déclarations. Vous serez déçus, alors que ce n'est pas Dieu qui vous déçoit, mais ce sont les hommes. Parce que Dieu n'a pas dit cela. Dieu dit, prends ta croix. Et dans la prise de la croix, là, Dieu peut faire comme il peut ne pas faire sur la terre. Mais l'élément réel, là, c'est que lui et moi, rendez-vous dans l'éternité. Rendez-vous au ciel. Mais ici, bas sur la terre, là, il peut donner enfant, il peut ne pas donner enfant. Il peut donner mariage, il peut ne pas donner mariage. Il peut donner voyage, il peut ne pas donner voyage. S'il n'a pas donné, je fais quoi avec lui? On coupe ignoble ou bien quoi? Mais lui dit, si je te donne ou je ne te donne pas, la croix, c'est tout. Deux dernières choses brièvement que je n'expliquerai pas à fond. Troisième élément dont il faut faire usage, c'est la prière. Si nous vivons sur la terre, nous ne pouvons pas nous dérober de la prière en tant que chrétiens. La prière est un moyen de dépendance. Dieu veut que nous dépendions de lui tout le temps de notre existence, que nous tendions vers lui. Seigneur, je veux dormir. Je prends toujours médicaments pour dormir. C'est une prière. Libère-moi des médicaments. Donc la prière, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, nous en dérober. Nous sommes obligés de faire usage de la prière. La prière a plusieurs effets, dont celui de communiquer la force face au danger. La force. Quand nous prions, Dieu donne la force. Alors, voyez la progression. Premier élément, c'est le sang. Le deuxième élément, c'est la croix.
Mais pour que la croix tienne dans notre vie, on a besoin de demander à Dieu de nous fortifier. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a prié et il a demandé à Dieu de lui venir en aide. Et le Seigneur l'a fortifié. Et il a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il a dit de prier pour ne pas tomber dans la tentation. C'est-à-dire que quand on prie, il y a une énergie nouvelle qui nous est communiquée, une puissance nouvelle qui nous est communiquée, une grâce nouvelle qui nous est communiquée. Donc la prière, n'est-ce pas, agit également sur le fait de dominer et de rester vainqueur sur la puissance du péché. Il nous faut prier, prier et prier. Parce que la terre est un lieu de combat, de tentation et de toute forme de péché. Si nous prions, le Seigneur nous donne la force de demeurer dans la victoire. Alléluia. Malheureusement, il y a beaucoup qui ne prient pas. On prie uniquement pour avoir quelque chose. Mais quand on est en bonne santé, quand tout va bien, il faut prier pour demain. Il faut prier pour que Dieu nous préserve. C'est pour cela qu'il y a eu des prières. Je me souviens bien des biographies des certains hommes de Dieu que j'ai eu à lire. Ils ont préparé certaines choses 10 ans avant dans la prière. Tous les jours, ils apportaient le même sujet. Et c'est d'autant plus réel dans la mesure où, frère, si on dit le jour de la dédicace du temple, là, on l'a faite en une journée, on a fini. On est d'accord? Mais pour faire la dédicace, là, on s'est préparé pendant combien de temps? On s'est préparé. Avant la dédicace, il n'y avait pas tout ça, mais on a fait venir. Les gens ont embelli la salle. On a fait tout pour un seul jour. Toute la terre, là, tout notre séjour sur la terre, là, si c'est 10 ans, 15 ans, 30 ans de vie chrétienne, là, pendant tout ce temps-là, on s'apprête pour une seule seconde de l'enlèvement. Enlèvement, là, c'est une seconde. Bra, c'est fini, comme photo, appareil photo. Bra, la lumière, qui a cassé mon œil? C'est fini. Les gens sont partis. Ceux qui doivent rester, doivent rester. Mais comme on ne sait pas quand il va venir, tout ce temps-là, c'est un temps de préparation. Et je vous assure, mes frères, si nous comprenons le secret qui se trouve dans la vie de prière, ce que Dieu est capable de communiquer à ses enfants pour tenir demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est merveilleux. Faisons usage de la prière. Pour un homme de Dieu, sa mère a prié pendant toute la vie. Il était brigand. Mais tout le temps de la vie de sa maman, là, c'était l'enfant qui lui créait plus de problèmes. Mais la mère a fléchi les genoux pour prier pour cet enfant-là tout le long de sa vie. Les autres se sont donnés. Lui, là, il était difficile d'être maîtrisé. Mais la mère a prié pendant toute l'existence, toute son existence. Quand la mise dans le tombeau, prah, le lendemain, là, petit a pris Bible. On ne peut plus arrêter. Je veux nous dire que la prière est très importante. Et si vous voulez faire quelque chose dans 2 ans, commencez à le préparer, à préparer la chose aujourd'hui dans la prière. Tous les jours que Dieu fait là, mettez cela dans la prière. Invoquez la grâce de Dieu. Demandez au secours, le secours de Dieu. Le jour va arriver, on va se dire, ah mais les choses ont été aussi faciles que ça. Mais ça a été facile. C'est vrai, aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans le lieu secret avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, tu es en bonne santé, il n'y a pas de tentation. Ta vie rayonne de joie et de paix. Tu ne sais pas ce que le tentateur prépare. Donc, pendant que tu manges et que tu es en bonne santé, alors prépare les jours mauvais dans la prière, comme la fourmi. Que Dieu nous bénisse. Dernière chose, pour traiter le péché, demeurer sous le pouvoir de l'Esprit de Dieu, évidemment, c'est de marcher par le Saint-Esprit. Alors, je vais vous expliquer. Il y a une progression dans tout ce que nous avons eu à dire. Le sang purifie. La croix, c'est la partie douloureuse. On est d'accord? Mais pour que la croix agisse, pour que je ne puisse pas tituber, je demande à Dieu la puissance dans la prière. Et Dieu me fortifie et je demeure ferme. Il y a des gens qui souffrent ici dans l'église à cause de leur foi. Soyez heureux, soyez heureuse. Dieu avec vous. Et on demande la force de Dieu dans la prière pour que même si ça tombe à gauche, ça tombe à droite, tu demeures toujours dans la victoire. Mais il y a un élément que nous oublions. Comme nous sommes au retour des anciens sentiers, aux anciens sentiers, ce sont des éléments que nous allons développer en son temps en détail. Mais je veux parler de la marche par le Saint-Esprit. Alléluia.
Celui qui marche par le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Jésus est mort, lui il a donné le pouvoir, la victoire sur le péché et il est parti. Quand Jésus est parti, il a fait venir un autre, on appelle le Consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, vit avec nous sur la terre, il est dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il veut faire dans son fonctionnement? Surtout, mais particulièrement par rapport au péché, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit rentre en communication avec notre esprit. Il produit un dialogue. Et souvent, il met dans notre cœur des recettes, des voies empruntées, des chemins empruntés. Il nous dit certaines choses qu'il faut faire. On est d'accord? Donc, quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, eh bien, il nous dit, fais telle chose ou ne fais pas telle chose. Il parle. Mais le gros problème, aujourd'hui, je le dis encore et je le dirai toujours, c'est qu'on laisse cette grâce que nous avons individuellement en tant que chrétien avec le Seigneur, on dit que moi là, Dieu ne peut plus me parler, qu'il passe par un prophète pour me donner la nouvelle à moi pour que je marche dans la volonté de Dieu. Autrement dit, moi là, je n'ai plus de révélation. Oh, Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut te parler. Dieu veut te dire quelque chose. Et comment Dieu parle? Dieu peut parler par une intuition ou une forte envie de faire quelque chose qui se trouve dans ton esprit. Ou bien il te dit, ne fais pas telle chose, ou bien il y a quelque chose qui va venir. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par le Saint-Esprit. Soit en songe, Dieu t'avertit déjà certaines choses qui vont arriver. Soit dans une prédication, comme je suis en train de le faire. Ou bien pendant qu'on est en train de louer Dieu, un don spirituel sort. Le dimanche dernier, il y a eu un don spirituel, il y a une soeur qui est venue me voir, qui se sentait concernée. On lui a donné des orientations. Pour dire quoi? Le Saint-Esprit, là, il est le meilleur allié. Tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas, tu seras toujours vainqueur. Tu verras le lendemain si tu sais composer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Un exemple simple avant de terminer. Quand Jésus est venu au monde, il y a des gens qui sont arrivés très loin, qu'on appelle les mages. Ils sont venus pour adorer Jésus. Et quand ils sont venus, ils ont mené des investigations, ils sont trouvés Hérode. Ils ont dit à Hérode, on est venu adorer le roi des Juifs qui est né là, on est venu l'adorer. Ah, Hérode dit, ah, mais c'est bien. Mais si vous le trouvez là, vraiment, donnez-moi l'information pour que moi aussi j'aille l'adorer. Et ce qui sort de la bouche de l'homme est différent de ce qui est dans son cœur. Mais quand les mages sont partis, qu'ils ont adoré, Hérode s'attendait à ce qu'ils reviennent. Malheureusement, les gens ne sont pas revenus sur leurs pas pour dire à Hérode, le petit là, on l'a localisé, on lui a donné l'encens, la myrrhe et l'or, il faut aller l'adorer. Le Saint-Esprit a dit, ne retourne plus chez Hérode. Ce qui sort de sa bouche là, c'est différent de ce qui est dans son cœur. Hérode veut chercher, il ne veut pas que quelqu'un vienne dire qu'il est roi en Israël. Puisque lui, il est le roi. Si quelqu'un dit qu'il veut être roi, ça veut dire que lui, son pouvoir est contesté, sera contesté. Donc, Dieu dit aux mages, là, ne passez pas là-bas. Prenez votre chemin, vous allez les choisir. Quand Hérode s'est rendu compte que, ça fait une semaine, les gens sont partis, ils ne les voient pas. Hein. Donc, déjà, ils m'ont doublé. Il dit, bon, rentrez dans la maison. Les enfants qui ont plus, au moins 4 ans, là, éliminez-les. Et le Saint-Esprit va dire à Joseph, prends bébé, là, il faut quitter ici, va en Égypte. Dieu là, il parle. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas allé passer par un prophète pour parler à Joseph. Dieu a parlé directement à Joseph. Dieu a parlé directement aux mages. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas passer par quelqu'un d'autre pour t'informer. Mais je veux dire, si toi, ta révélation de Dieu est exclusivement liée à quelqu'un, tu vas mourir. Ah oui, tu vas mourir. Parce que si le matin, il a dormi, et puis il est allé au Ghana comme un collègue, qui n'est plus avec nous, il est parti, on était à l'institut. Quand on préparait au réfectoire, maintenant lui, il avait sa femme. On était à l'institut, il avait sa femme. Et puis quand sa femme prépare, quand il a mangé sauce grain, il dit au village, dans un village du Ghana, tous les jours. Quand lui mange sauce grain, il était au Ghana. Il dit, ah, collègue, donne-toi, pour aller au Ghana, tu n'as pas besoin de visa, d'avion, hein. Tu manges sauce grain seulement, tu es là-bas. Donc un prophète, il a mangé sauce grain, mais c'est sa arachide. S'il a mal dormi, si Dieu lui a dit des choses qui le concernent lui-même, toi tu prends ton téléphone. Berger, prophète, Dieu dit quoi sur ma vie aujourd'hui? S'il a besoin d'argent, il va te dire non, ah,
justement, je devais t'appeler. Oh, c'est faux, hein? C'est faux. Justement, je devais t'appeler. Tu dois... Il y a quelque chose qui va se passer. Le Seigneur m'a montré, je dois traiter cela, mais il faut qu'on ait 500 000 pour gérer cela dans le monde spirituel. C'est fini? Ton compte, là, l'argent dedans, tu as quel problème? Quelqu'un prie pour toi. Il dit, lui, il a eu vision. Il a eu, il n'a pas eu. Tu t'en prends 500 000. Waouh! Tu donnes. Ici, là, nous, on ne fait pas révélation sur vous. On ne prend pas l'argent de quelqu'un. On dit, groupe électrogène, il faut payer. Là, là, tu prends ton argent, tu t'en donnes à un va-nu-pied. Il mange, il dort, il vomit sur toi des révélations inutiles. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que Dieu nous bénisse. Amen.